Bien, bah écoutez, ça commence depuis tout à l'heure. Voilà, les soucis techniques ont fait qu'on n'était pas tout à fait au courant. Eh bien, on ne le savait pas, Voilà, on ne encore une savait fois. pas. Je suis avec la petite Ramia en direct. Eh oui, parce que vous le savez déjà, madame. Radio Mondiale Évangile, voilà. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre une musique. Voilà, c'est bon. Allez, on y va avec Boniface. Boniface en direct. Je te parle de Jésus. Judas. Bouta ça.
Assiste à ton élévation, mon frère, ma soeur. Et regarde la main de l'éternel Dieu qui arrive. Radio Mondiale Évangile, votre radio, votre radio. Voilà, soyez bénis à l'écoute de votre radio, Radio Mondiale Évangile. Et nous sommes en direct ce soir. Voilà, nous sommes en direct avec qui? Voilà. Avec Rabia. Donc on va lire un petit truc, on va diminuer un peu le son du fond. Voici. Voilà, c'est magnifique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le chat aussi. Comme ça, éventuellement, si vous mettez un petit message sur le chat, eh bien, je vais pouvoir le faire passer à l'antenne, pourquoi pas le message. Si vous le désirez. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Eh oui, gloire à Jésus. Voilà. Bien, on y arrive. Dans la grâce de Dieu. Oh, c'est un petit direct tranquille. Hein. Il n'y a pas de... Même Rami est très contente de ça, c'est pour ça qu'elle fait un peu la fête. Regarde avec mes pieds, qu'est-ce que je fais. Voilà, bien, c'est magnifique. Alors, est-ce que ça va, Rami? Mais oui, je suis en forme parce que je vais... Je vais être contente. Voilà, alors, on va parler d'une petite chose. Voilà, on va parler d'un... Il y a un petit livret qu'on a, qui s'appelle « C'est à moi ». C'est pour les enfants, aussi pour les grands aussi. Hein. Et qui nous parle de Dieu. Non, c'est pas écrit, c'est il nous parle de « Dieu a des choses à me dire ». Voilà.
Et c'est à moi, donc c'est aux éditions CLC. En fait, c'est un petit message qui parle de Dieu, hein, simplement. Donc, en fait, c'est une petite histoire qui nous dit que on voit sur la première page où il y a écrit « Sam et Cathy sont tout excités. Papy et mamie doivent venir quelques jours à la maison. » Mamie donne un cadeau à Sam et un cadeau à qui ? À Samy. Donc jusque là tout. À Cathy. À Cathy et à Sam. Sam ouvre son cadeau le premier. Mamie lui a donné les bonbons et un super livre qui explique la vie des animaux. C'est écrit quoi ? Elle a inscrit le nom de Sam à la première page. Ce livre appartient à Sam. Bah tu sais rien. Ce livre appartient à Sam. Voilà. Alors, moi, j'ai mon micro qui tombe devant. Je vais bien l'arranger. Eh oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie des directeurs. Quand on a un micro qui... Voilà, il faut resserrer les vis. C'est magnifique, voilà. Bon. Cette émission-là, je pense qu'on la gardera pas dans le fond sonore, mais au moins... On fait un direct, on verra bien si elle nous écoute ou pas. Si vous nous écoutez, je vous invite à venir sur le chat. Vous cliquez sur la... Quand vous écoutez, vous cliquez sur chat. Il y a un petit truc qui a écrit CHAT comme un chat. Ça veut dire que vous pouvez discuter à l'écrit. Et je pourrais faire passer un petit peu vos dédicaces. Voilà. D'accord ? Voilà. J'espère que vous m'écoutez, que vous nous écoutez. Ça ferait plaisir. Sinon, on va être tout triste. Voilà. Rami va être tout triste aussi, tout le monde. Bon, bref. Alors, là, on entend un petit peu mieux. Je retire un petit peu ça. Pour qu'on entende mieux, qu'on puisse le faire à deux. Tu n'attrapes pas. Oh, baby girl. Lol, baby girl. Ça non, on n'est pas dans Baby Girl. Alors, donc, il donne un cadeau. Voilà, la mamie a donné un cadeau aux deux enfants. Et donc, Cathy, à son tour, ouvre son cadeau. D'accord ? Elle ouvre son cadeau. Mamie lui a donné des bonbons, c'est ça ? Oui. Et un ballon rouge et jaune avec des étoiles. Mamie a inscrit le nom de Cathy sur le ballon. Ce ballon appartient à Cathy. Bien. Jusque là, tout va bien. Ensuite, au bout d'un moment, Sam est assez... Ou plutôt, il en a assez de regarder son nouveau livre. Il a aussi mangé tous les bonbons. Il a alors décidé de jouer avec la balle de Cathy. Cathy n'a pas mangé tous ses bonbons. Jusque là, tout va encore bien. Ensuite, ça se complique. Cathy, on dirait qu'elle pleure, non ? Mets-toi debout. Cathy. Mets-toi debout. Est en colère quand Sam lui prend son ballon tout neuf. Et les bonbons qui restent. Elle est en colère, voilà. Elle est en colère en fait parce que il a pris le bonbon tout neuf et les bonbons et le ballon qui est tout neuf, c'est ça. Et bah justement, non, on va voir ce que dit la parole de Dieu. Donc attends, bouge pas. Matthieu 5:44. Ne pas aimer son... Attends, non, c'est pas ça, viens là. Elle se met à pleurer. Sam se cache dans sa chambre, derrière son lit. Il espère que personne ne va le trouver. Là où il est caché. Et ensuite... Mais non, justement, on boxe pas. Et donc, mamie demande à Sam s'il a pris le ballon de Cathy sans lui demander. Sam se met à rougir et fait oui de la tête. Il sait qu'il a mal agi. Mamie s'assied entre Cathy et Sam. Elle explique qu'il ne faut pas prendre ce qui appartient aux autres. Parce que c'est... Aux autres. Parce que c'est aux autres et qu'il ne faut pas voler parce que c'est volé. Voilà, parce que c'est volé. Reste debout. Mais on peut partager ce que Dieu nous a donné avec les autres, n'est-ce pas ? Oui, mais lui, il n'a pas demandé, alors il a volé. Voilà, et donc, du coup, le livret nous dit que Sam et Cathy se souviennent du 8e commandement de Dieu écrit dans la Bible. Tu ne voleras pas. Exode chapitre 20, verset 15. Voilà. C'est qui a dessiné ici ? Oh, ça, c'est toi. Je me souviens, je t'ai vu dessiner sur le livret. Ah bon ? Oui.
Eh oui, bon, c'est pas grave, tant que t'as pas dessiné là où il y avait les écritures. Bah voilà, c'était un petit partage, mais bon. Non, c'est à moi de parler. On gardera pas cette émission dans les archives parce que vraiment c'était pas terrible, mais au moins on l'a partagé un petit peu sur. C'est à moi de parler. Tu veux dire quoi, l'émission? Alors, passez une bonne journée. Parle bien dans le micro là. Passez une bonne journée. Et puis, si... est-ce qu'on s'abonne à des trucs comme ça? Oui, on peut s'abonner, oui. Abonnez-vous à cette chaîne. Oui. Et puis aussi, cette chaîne ne raconte que la vérité et la vie. Oui. Parce que Jésus a dit, je suis... la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, oui. Et puis, n'hésitez pas à regarder tous nos audios. À écouter les audios. À écouter les... Ah, quoique sur YouTube, ils peuvent regarder, mais il n'y a pas de vidéo qui va avec. Donc, ils peuvent regarder. Ils peuvent regarder. Si c'est partagé sur YouTube, oui. Regardez tous nos audios sur la chaîne de mon papa. Oui. Comment elle s'appelle ta chaîne? Papa. Oui, oui, c'est Radio Mondiale Évangile. La chaîne de mon papa s'appelle Radio Mondiale Évangile. Mmh. Bon, bye bye. Et surtout... au revoir. Soyez bénis. Amen, soyez bénis. Oh, baby girl. Il n'y a pas de baby girl ici. Soyez si bénis. Que c'est une baby girl. Au nom de Jésus. C'est une... il n'y a pas pareil.